Et yo tout le monde, donc j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo défi de cette semaine 7, de cette saison 3 de Fortnite les gars. Et pour cette semaine, le défi qui nous est proposé, qu'on doit tout simplement faire, c'est collecter 5 anneaux au-dessus de Weeping's Wood. Donc comme d'habitude les gars, je vais vous montrer l'emplacement des anneaux, donc l'emplacement exact et où se situe Weeping's Wood. Ce défi les gars nous donnera tout simplement 35 000 d'XP et tout simplement pour le faire ultra facilement, je vous conseille tout simplement d'aller dans le mode de jeu foire d'empoigne parce que vous allez voir que les anneaux sont tout simplement dans les arbres en hauteur. Pour aller chercher tous les anneaux en une seule game, c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, je vous conseille les gars pour faire ce défi si vous voulez le faire en une fois la foire d'empoigne. Et comme d'habitude les gars, on se retrouve en game et je vous montre tout simplement l'emplacement exact de ces 5 anneaux. Ok les gars, donc on se retrouve directement en game. Pour ceux qui se demandent où se situe Weeping's Wood, c'est tout simplement en C5, D5. Voilà, c'est toute cette petite forêt au sud de Salty. Donc là, vous le voyez bien, Weeping's Wood, le premier anneau. Je vais vous faire un cut à chaque fois parce que c'est assez compliqué. Il faut monter dans les arbres, les chercher. Donc je vous ferai un cut et je vous montrerai exactement où ils sont sur la map. Donc le premier anneau, il est juste ici les gars. Donc là, vous allez Weeping's Wood. Et là, vous avez deux arbres collés. Et sur cet arbre aussi, vous avez tout simplement le premier anneau. Donc pour valider le défi, bien entendu, en tout cas pour valider le premier anneau, vous le prenez et on se retrouve au deuxième anneau du coup. Pour le deuxième anneau, les gars, il est juste ici. Voilà, vous allez juste en face. Donc le premier anneau, je le rappelle, était à cet arbre-ci. Voilà, le plus à droite. Ensuite, vous avez juste ici le deuxième anneau. Voilà, donc l'arbre qui est juste en face. Donc vous avez deux arbres, c'est le premier anneau. Un arbre juste en face, c'est tout simplement le deuxième anneau. Donc vous le validez. Le troisième anneau les gars, il est juste ici, voilà, donc vous le prenez, il est juste en face. Donc là, vous aviez tout simplement le premier anneau, le deuxième anneau juste là, et le troisième anneau juste ici, voilà. Vous avez Weepings, et cette fois-ci à droite, et vous descendez un tout petit peu en bas. Donc l'arbre le plus à droite, vous avez tout simplement le troisième anneau. Le quatrième anneau les gars, il est juste ici, donc je vous remontre sur la map. Donc le troisième anneau, il était juste ici tout à droite, là tout en bas, voilà, sur l'arbre un tout petit peu en dessous, vous avez tout simplement le quatrième anneau et on va le prendre. Et le cinquième anneau, tout simplement, on va le faire ensemble. Donc il y a la petite souris, je vais l'enlever, hop là. Et normalement, donc si vous voyez que je suis à 1 sur 5, c'est tout simplement parce que je fais les défis en partie perso pour être plus tranquille. Et j'ai lancé une game parce que malheureusement j'avais la zone. Donc le cinquième anneau, il est juste là les gars, voilà, vous voyez, ils sont vraiment collés juste en face, c'est pour ça que je vous conseille la foire d'empoigne. Donc ce cinquième anneau, il est juste ici, voilà, sur l'arbre, juste en face. De toute façon, vous le verrez depuis le ciel, ils se rejoignent tous à peu près les anneaux, donc c'est assez simple. Vous le prenez et vous aurez terminé votre défi les gars. Sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.